Hey, hop tout le monde, c'est O2MC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale sur League of Legends. Si vous entendez un bruit derrière, ce n'est pas de ma faute, c'est mon PC qui est portable cette fois, mais qui fait beaucoup de bruit en fait, le radiateur, et vu que j'ai pas mon micro là en ce moment. Donc je vous fais une petite vidéo comme ça, sans problème. Oui, ma voix a changé, bien évidemment. Donc alors aujourd'hui je vais vous parler de ce champion là qui s'appelle Xin Zhao. Normalement vous connaissez, méta, jungle, tout qui va bien, extrêmement fort, hein, complètement OP en hein, jungle, hein, qu'on se le dise. Donc alors ses compétences normalement, si vous le savez pas, bon, son passif défie en fait les adversaires, du coup bah, ils ont moins d'armure. Ensuite ça, le troisième, en fait, vous appuyez dessus et en fait vos trois coups vont faire plus de dégâts et le troisième va faire envoler l'adversaire. Le sort à maxer en premier. Ensuite en second, on a cri de guerre qui en fait augmente la vitesse d'attaque de Xin Zhao, et en fait toutes les trois attaques vous avez un coup critique, ce qui est complètement fort déjà hein, quoi qu'il arrive, et vous gagnez des PV. Ça augmente également son attaque speed quand vous l'attaquez, ce qui fait en fait vous le maxez en second hein, le Z. Et en fait son A et Z en même temps, ça push extrêmement bien les towers. C'est extrêmement fort en fait en jungle et en top en fait, mais en top c'est pas si fou que ça, hein. Franchement c'est assez nul, ouais, c'est vraiment plutôt nul. Et ensuite le sort à maxer en troisième, en gros dans les trois principaux, mais que vous devez prendre en troisième. En fait les sorts dans l'ordre que vous devez prendre c'est AZ2. Et si vous êtes en jungle, vous voulez vraiment vraiment optimiser, faites AZA, et ensuite vous prenez votre E au quatrième niveau dès que vous aurez fini votre jungle. Mais en gros là en fait il saute sur l'ennemi, il fait des dégâts un peu aux alentours. C'est pas mal, mais oui c'est très bien. À l'utiliser quand les adversaires fuient, très important. Et ensuite son ulti, en gros voilà ce que ça fait, c'est pas mal. Ça peut servir, on peut faire des insects. Très très drôle. Lolo. Donc on va commencer directement avec en premier les maîtrises pour Xin Zhao. Les maîtrises que je vous conseille, tout d'abord. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Alors. Donc, alors on va créer une page. Bon, c'est pas grave. Alors. Oui, je sais, c'est mon. Non, c'est... Xin Zhao, voilà, entrée. Alors, au début, vous allez devoir aller avec ferveur du combat, même si vous êtes en jungle. Si vous voulez vraiment jouer tank, ce que personnellement je ne joue pas, vous prenez force des sages ou pointe de l'immortel. Personnellement, je préfère jouer ferveur du combat, c'est extrêmement fort en dégâts. Alors, au début, vous prenez de la. En fait, il faudra miser sur l'attaque speed, le vol de vie et les dégâts. Si vous voulez jouer un minimum tanky, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Alors, en premier, vous allez prendre Fureur. Quoi qu'il arrive. Ensuite, vous allez prendre Festin. Fureur pour augmenter votre vitesse d'attaque. Et Festin pour gagner un peu de PV. Ensuite, vous allez vu que vous allez jouer également sur le vol de vie. Donc, prenez Vampirisme. Puis Oppresseur. Parce que vous allez faire 2,5% de dégâts en plus par rapport à Chasseur de Primes. Parce que vous, en fait, votre passif va provoquer directement, donc vous pouvez le voir, vous infligez 2,5% de dégâts supplémentaires aux cibles dont les déplacements sont restreints, hantissement, étourdissement et mobilisation, provocation. Vous provoquez passivement, donc vous allez faire ça. Ensuite, vu que c'est un AD qui a pas d'AP, bon bah, coup cinglant, 7% de pénétration d'armure, c'est beaucoup quand même. Et ensuite, ferveur du combat. Donc, ensuite vous aurez deux choix, soit vous aurez le choix de jouer plus en jungle, en fait, de optimiser entre guillemets votre jungle. Et donc vous allez prendre sauvagerie, puis affinité runique pour que vos sorts durent plus longtemps. Ensuite impitoyable. Et enfin jeu dangereux. Mais comme Xin Zhao peut également jouer un minimum tanky, et que faut pas que vous crevez tous en deux coups, donc là je vais jouer avec la volonté au lieu de l'ingéniosité, mais
N'oubliez pas, si vous voulez vraiment optimiser votre jungle, parce que voilà, jouez avec l'ingéniosité, en utilisant sauvagerie, affinité runique, impitoyable, et ensuite jeu dangereux. Mais là, je vais vraiment partir sur un build vraiment de carry que, dès que vous aurez fait les mobs qu'il vous faut, vous pourrez carrer votre game vraiment beaucoup. Et donc, je vous conseille, alors, soit vous utilisez récupération, qui augmente votre très bien PV, mais moi, je vais plutôt prendre indomptable, comme ça me donne un peu plus d'armure, un peu plus de résistance magique. L'armure, elle est vraiment plutôt pratique, même si, bon, vous pouvez prendre un peu plus de régénération, mais je préfère clairement, ouais, clairement, je préfère largement indomptable. Ensuite, explorateur, ça ne sert à rien, donc vous allez prendre peau dure. Parce que les monstres et les de dégâts, c'est sur le long terme, c'est très fort. Ensuite, vous allez prendre cicatrice de vétéran. Comme ça, là, vos 45 PV, vous n'aurez pas besoin de ça, hein, franchement. Ensuite, et enfin, plutôt, vous allez prendre persévérance. Si vous comptez vraiment jouer sur le smite et tout ce qui est escape avec le flash, prenez savoir, mais je préfère largement persévérance pour vous. Donc voilà, Xinzao, c'est fait. Vous aurez vos maîtrises. Donc ça fait une 18-0-12. C'est très fiable. Ce truc est très très fiable. Vous en faites pas. Ensuite, vous allez jouer sur les runes. Donc moi, j'ai fait une page de runes basique AD. Clairement, 3 d'attaque speed, l'armure, la résistance magique et des dégâts d'attaque. Cependant, alors ça c'est vraiment le truc de basique vu que je n'ai que 2 pages, donc je fais ça, donc je joue avec celle-là, elle est extrêmement bien, elle est bien même, mais je vous conseillerais de jouer, alors l'armure vous la laissez, là vous prenez soit par niveau, je préférerais personnellement en jungle par niveau parce que au début vous n'allez pas forcément être contre des carry AP, donc par niveau c'est plus rentable à partir du niveau 8. Donc prenez par niveau en résistance magique. Ensuite là vous allez prendre des dégâts d'attaque de base, hein, pur. Et au lieu des quintessences, vous allez prendre une quintessence d'attaque speed au lieu des dégâts et 2 quintessences de vol de vie. Bien l'inverse, hein, soit une de vol de vie et 2 d'attaque speed. Je suis partant pour les deux, voilà. Donc les runes c'est fait. Dans l'histoire d'invocateur, bon bah forcément châtiment quoi qu'il arrive dans jungle, sinon soit éclair quoi qu'il arrive aussi, hein. Enfin en grande partie ou embrassement, vous prenez TP embrassement, sauf si vous êtes en jungle. Enfin bon, l'histoire voilà, vous savez. Et ensuite le set d'objets. Donc le set d'objets. Alors en early game, on va partir sur une machette du chasseur, des popos, 3 popos et une trinket, hein, la base. J'ai pris une lame de Doran à côté, ça sert si vous êtes en top lane. L'altération divinatoire, prenez si vous en avez réellement besoin. Je suis pas extrêmement fan, surtout si vous êtes en top lane parce que vous ne pourrez pas vous TP. Mais si vous êtes en jungle, prenez ça ou l'altération oraculaire. Franchement, c'est plutôt pas mal. Puis, dès que vous aurez fait votre premier clean de jungle, alors je vous conseillerais tout d'abord d'aller acheter un sabre de l'escarmoucheur. Alors, vous allez directement aller sur un dévoreur. Croyez-moi, ce sera très très efficace. Premier item, dévoreur. Le Tiamat, vous pouvez le prendre ou bien la pioche. Le Tiamat, je le prends en à peu près second avant de faire ma Ginzu parce que ça peut être rentable, en fait, dès que vous êtes en jungle, ça peut être vraiment pratique pour faciliter, en fait, votre dévoreur, et ensuite, faire votre Ginzu, puis ensuite, votre Edelweiss, parce qu'elle a été up, et du coup, on peut faire les dégâts en zone, c'est plutôt pratique, voilà. Donc, faites votre dévoreur, dès que vous aurez fait votre dévoreur, vous allez partir directement, impérativement, sur une lame enragée de Ginzu. Votre Ginzu, c'est vraiment, après le dévoreur, on va dire, le premier item. Même si vous êtes en top lane, prenez toujours une lame de Ginzu en premier. Croyez-moi, vous faites votre A à Z après avoir stacké quelques coups. Même si vous êtes low life, vous allez gagner. Croyez-moi, vous allez gagner. Vous pouvez pas perdre, en fait. Puis ensuite, vous allez partir sur une hydre vorace, parce que l'hydre vorace,
c'est la vie. Ensuite, on va partir sur une lame du roi déchu. Parce que ça vous donne pas mal d'attaque speed, un peu de dégâts et un peu de vol de vie. Enfin, du vol de vie, donc c'est vraiment pratique. Si vous n'êtes pas trop fan de la lame du roi déchu, prenez une soif de sang. Vous pouvez inverser en fait. Aussi selon vos besoins, soif de sang ou lame du roi déchu. Si vous estimez que vous avez assez d'attaque speed, prenez une soif de sang. Si vous voulez vraiment optimiser comme ce que je fais, prenez une roi déchu. Je préfère la roi déchu. Et ensuite, une soif de sang. Mais si les ennemis ont comment dire. Alors ça, vous prenez une soif de sang si vraiment ce sont des champions qui ont en face de vous, si vous avez des champions qui ont vraiment peu d'armure. Si vous avez que des squishy, prenez ça. Si vous êtes contre des tanks, prenez une salutation de Dominique. D'accord, ça a l'air bête comme ça, mais croyez-moi, ça a son importance. Rappel mortel, ça sert pas à grand chose si voilà, si vous voulez réellement optimiser avec ça, mais je préfère acheter une soif de sang parce que ça donne encore plus de vol de vie et ce vol de vie vous sera très très utile. Ensuite, prenez les bottes dès que possible. Hein, clairement, si vous pouvez avoir au premier bac en même temps de votre sable de l'escarmoucheur, vous êtes vraiment bien. Prenez ensuite des sandales de mercure ou des tabis ninja. Pourquoi ça? Parce ou même. Ou même si vous voulez vraiment optimiser les bottes de célérité, ça dépend vraiment de l'équipe que vous avez en face. Si vous avez beaucoup de CC contre vous, prenez des sandales de mercure. Si vous êtes contre que des mecs qui font des auto-attaques, prenez les tabis ninja. Moi je fais mon stuff en même temps que vous d'ailleurs. Ensuite, dès que vous aurez fini ça, soit vous voulez revendre. Là normalement vous êtes bon, hein. vous avez ce stuff là, vous êtes extrêmement bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est en général, c'est bien d'avoir ça. Ça, améliorez-le à la critique. Ouais. Ensuite, si vous jouez top lane et que vous n'avez pas votre enchantement dévoreur, forcément vous n'avez pas votre dévoreur, jouez soit avec une danse de la mort, soit même encore plus optimisé avec une salutation de Dominique et une gueule de Malmortus. Sachant que vous pouvez également la jouer un peu plus tanky, soit avec un visage spirituel si vous êtes contre beaucoup d'AP qui font vraiment très très mal, soit si vous êtes contre des gens qui font vraiment beaucoup de critiques, partez sur un présage de Randuin. Clairement, ça vous sera très utile. Si vous êtes un fou dans votre tête, bah, prenez une capsulaire. Je n'aime pas trop la capsulaire, du moins avec Xinzao. Et donc là, normalement, vous allez faire des techniques qui s'appellent AZ2. Vous allez faire la technique AZ2. Quoi qu'il arrive, en fait, avec ces invos, vous devez faire AZ2. En fait, dans l'amélioration des sorts, à part l'ulti, hein, on va dire, l'ulti, c'est toujours celui-là qu'il faut maximiser en premier. En fait, vous maximisez en premier votre A, puis votre Z, puis votre E. Donc, c'est AZ2. Dès que quelqu'un vous attaque, vous faites AZ en même temps, et vous le sautez dessus avec un E. Je vous conseille d'abord de faire AZ, de le taper, de le faire voler, et dès qu'il va commencer à s'enfuir, de faire votre E. Vous allez voir, c'est extrêmement fort, sans négliger la capacité active de l'hydre vorace, et aussi de la Beotarka, donc la lame du roi déchu. Hein. Et généralement, vous aurez le kill assuré. Si vous avez trop d'ennemis autour de vous, ne prenez pas de... Voilà, vous... Alors, prenez aussi un éclair de rage, ça peut servir. Ça peut être pas mal si vous avez vraiment mode méga carré. Voilà. Et donc, s'il y a trop d'ennemis autour de vous, faites votre R, vous serez sauvé. Et si vous avez vraiment des ennemis avec vraiment beaucoup trop de CC, genre full Morgana, prenez un cimetière mercurial, ça vous servira, oui. Ça vous servira, beaucoup. Donc, alors, voilà, ça, c'est le stuff de Mega Carry sur Xinzao. Donc, croyez-moi, essayez-le,
Il est vraiment incroyable, ce stuff. Je pense que c'est le meilleur sur Xin Zhao. Vous voyez les trucs. En fait, dans les conseillers, les items, ils vont vous conseiller des choses de dégâts de base et assez tanky. Le seul problème, c'est que vous avez malheureusement, vous avez un peu pas assez en fait, plutôt de vitesse d'attaque et de sustain. Et vous avez vraiment besoin de ça si vous voulez vraiment jouer Xin Zhao au top. Non, mais pas en top lane, hein. Vraiment au mieux. Voilà, bon, j'ai pas envie de m'attarder non plus un milliard d'années sur ce truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner. Si vous en voulez plus, forcément, je vais en faire plus de ces vidéos-là sur mon autre ordinateur. Et donc, je vous dis à